L'histoire de Rahab, vous avez vu le témoignage de Rahab dans Josué 2 verset 8, il dit votre témoignage vous a précédé et à entendre parler d'Israël, on a été effrayé parce qu'on a vu combien de fois votre Dieu vous a donné la victoire sur les nations qui vous environnaient. Frères et sœurs, et dans le deuxième texte également que nous venons de lire, nous voyons le roi de Moab qui est un roi qui était puissant. Mais lorsqu'Israël a passé le Jourdain et a commencé à conquérir des nouveaux territoires, le roi de Moab prit peur, s'allia à d'autres rois. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'Israël était devenu une nation puissante. Et donc, il va louer les services d'un prêtre pour dire donc à ce prêtre appelé Balaam. Il dit, Balaam, tu vas aller et tu vas me maudire ce peuple. Pourquoi donc il loue les services d'un prêtre pour maudire Israël? Parce que ce roi donc avait la compréhension des choses spirituelles. Frères et sœurs, j'ai une annonce à vous faire. Le spirituel contrôle le naturel. Est-ce que tu peux dire avec moi, le spirituel contrôle le naturel? Le spirituel contrôle le naturel. Et Hébreux 11 est très clair. Il dit, c'est par la foi que nous savons que ce qui est visible est sorti de l'invisible. Au commencement, Dieu dit, Genèse 1:1, où Dieu créa le ciel et la terre, Dieu est esprit et tout est sorti de Dieu. Et donc, pour vous, enfants de Dieu, nés de nouveau, il est essentiel de savoir qu'il n'y a rien de naturel, de physique, qui n'a pas une tentacule dans le spirituel, parce que tout est sorti de Dieu et Dieu est esprit. Dites-moi amen. Donc, quand vous vivez votre vie, ne vivez pas cette vie-là comme si cette vie-là s'arrêtait à ce qui est matériel. Tout ce que vous pouvez voir autour de vous est sorti de l'invisible. C'est par la foi que nous savons que ce qui est visible est sorti de l'invisible. C'est l'un des versets les plus importants de la Bible, frères et sœurs. Alléluia. Malheureusement, c'est le verset que les chrétiens ne comprennent pas. Mais heureusement ou malheureusement pour eux, c'est le verset que les hommes de ce monde, les mystiques, les francs-maçons, les occultes, ont compris que l'Église ne comprend pas. Regardez cette histoire. Un roi qui est puissant et qui voit un peuple qui gagne ses batailles, qui voit un peuple qui a commencé donc à prendre tout sur son chemin et qui prend peur. Et la seule chose qu'il trouve à faire, c'est d'aller louer les services d'un charlatan, d'un prêtre, pour faire quoi? Maudit ce peuple. Mais je me pose des questions. Tu vas maudire ce peuple, pourquoi? Mais attaque-les avec ton armée et balaie. Mais le roi de Moab avait compris que pour affronter quelqu'un dans le naturel, il faut d'abord le désarmer dans le spirituel. Le problème, c'est que ce principe-là, plusieurs enfants de Dieu ne le comprennent pas. Il dit, il faut que je maudisse ce peuple. Lis-moi le verset 6. Vous allez voir sa déclaration. Regardez ses intentions derrière le fait d'avoir loué Balaam. Alléluia. Verset 6, vas-y. Alléluia. Nombre 22, verset 6. Nombre 22, viens, je te prie. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Il reconnaît que Israël est puissant, oui. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays. Donc, voyez, il maudit donc Israël parce qu'il envisage battre Israël. Mais en réalité, quelle est sa disposition d'esprit? Ce roi, donc, avait la compréhension de la réalité des choses spirituelles et invisibles. Il savait que pour gagner une bataille dans le naturel, il faut d'abord la gagner dans le spirituel.
Donc, lorsqu'il a vu Israël gagner des batailles, avoir des réalisations importantes, il s'est posé une seule question. Il s'est dit, sûrement, Israël a un point d'appui. Frères et sœurs, quand vous voyez un homme réussir, quand vous voyez un homme gagner des batailles dans la vie, frère, il a un appui spirituel. Mais le tout, ce n'est pas aller vers lui pour lui dire, je vais te vaincre. Frère, la force d'un homme, ce sont ses appuis spirituels. Donc, en maudissant Israël, il voulait faire quoi? Il voulait désactiver ce qui fait la force d'Israël. Il voulait couper le cordon entre Israël et son autel. Il voulait donc faire taire la voix de l'autel d'Israël qui donne force à Israël. C'est important. Je vous dis ces choses parce que la décennie dans laquelle nous sommes entrés n'est pas une décennie de jeu. C'est une décennie de combat. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et donc le roi de Moab comprend cela. Et dans la Bible, nous avons plusieurs cas. Nous avons un autre cas, par exemple, lis-moi Esther. Regardez par Esther 3, verset 7. Vous allez voir l'histoire de Aman. Oui. Au premier mois, mois de Nissan, oui. La douzième année du roi Assyrus, oui. On jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman. Oui. Pour chaque jour et pour chaque mois, mm-hmm. jusqu'au douzième mois, qui est le mois d'Adar. Mm-hmm. On jeta quoi? Des sorts. Vous connaissez l'histoire. Aman, qui était un ennemi de la race juive ou du peuple juif, à un moment donné, donc, il a comploté pour entrer dans les faveurs du roi. Et le roi lui donne son anneau pour lui dire, tout ce qui te plaira de faire, fais-le. Donc, Aman décide de faire quoi? D'exterminer les juifs. Et donc, il est dans une position d'autorité. Il est conseiller du roi. En temps normal, il n'a pas besoin de grand-chose pour exterminer les juifs. Mais Aman comprend que le spirituel d'abord et le physique ensuite. Est-ce qu'on peut dire que le spirituel d'abord? Le spirituel. Le physique ensuite. Le physique ensuite. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il va consulter et on va jeter des sorts contre Israël. Donc, Aman comprend que c'est vrai, c'est un peuple qui n'est pas peut-être dans la position dans laquelle je suis, mais pour pouvoir vaincre un peuple, vaincre un homme, il faut donc s'attacher à ses supports spirituels. Le problème de l'Église, c'est ce manque de compréhension que les combats dans la vie se gagnent d'abord à partir des supports spirituels. C'est pourquoi cette année, je te souhaite de gagner tes batailles à partir de tes supports spirituels au nom de Jésus. Alléluia. Bien sûr, si tu en as un. Parce qu'il y en a qui n'en ont rien. C'est pourquoi il faut bien m'écouter. Cette décennie sera mortelle. Je vous assure, le monde est entré dans une zone de turbulence depuis 2020 et ce n'est pas fini. Les choses vont se stabiliser peut-être vers juillet, août, par là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les nouvelles à la télévision, ce qui se passe en Occident, ce n'est pas vraiment de gaieté de cœur. Malgré les vaccins, la situation de la pandémie, alléluia, ne faiblit pas. Alléluia. Ça veut dire quoi? Les Européens ont compris que l'affaire là est compliquée. Ce n'était pas leur stratégie au départ. Lorsque ce plan démoniaque, cet agenda a été relâché sur les nations, alléluia, dans leur programme, l'Europe ne devait pas avoir autant de difficultés comme l'Europe l'a aujourd'hui. Mais Dieu a changé leur agenda. Et là où ils s'attendaient à ce que dans certaines nations, il y ait la catastrophe s'est retournée contre eux-mêmes. Donc ils ont couru dans tous les sens pour mettre en place des vaccins que eux-mêmes ne maîtrisent pas vraiment. Ce qu'ils sont en train de faire, on appelle ça biné, biné, biné. Si ça marche, c'est ça. Ça ne marche pas, c'est ça. Alléluia. Les premières victimes, on attend. Si ça marche, ils commencent à être changés. Parce que les gens nous disent que dans ces vaccins, il y a des éléments qui vont toucher à l'ADN de l'homme. C'est dit. Dans quelle proportion est-ce qu'on va avoir des hommes génétiquement modifiés pour les années à venir? Wait and see. Nous sommes dans une zone de turbulence. Et donc, quand les choses deviennent aussi compliquées,
L'Église doit retrouver sa dimension réelle, sa dimension spirituelle. Voilà pourquoi si tu es là, cette année est une année où tu dois retrouver ta dimension spirituelle. Dis avec moi, dimension spirituelle. Alléluia. Et donc nous voyons que Aman va consulter pour maudire le peuple. Pourquoi? Parce qu'il comprend que pour vaincre un homme, il faut désactiver ses supports spirituels. Il faut ébranler sa force spirituelle. Quand tu as ébranlé la force spirituelle d'un homme, quand tu as désactivé la force spirituelle d'un homme, alors tu peux la voir dans le naturel. C'est ce qui s'est passé également avec David. Lis-moi 1 Samuel 17, verset 43. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Samuel 17, verset 43? Oui. 1 Samuel 17, 43. Le Philistin dit à David. Le Philistin dit à David. Suis-je un chien? Suis-je un chien? Pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Oui. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta. Après l'avoir maudit par ses dieux. Mais posez-vous la question. Toi, Goliath, tu es soldat depuis ton enfance. Toi, Goliath, regarde un bébé comme ça. Comment se fait-il que tu peux maudire un bébé par tes dieux? Parce que les Philistins avaient la science également du monde des esprits. Ils comprenaient que, qu'importe l'adversaire qui est devant toi, vaincre un homme, c'est d'abord désactiver ses supports spirituels. Donc, en maudissant David par ses dieux, il voulait donc couper David de ses tentacules dans le spirituel. Quand un homme est coupé de ses tentacules dans le spirituel, cet homme n'a plus d'aide. N'a plus d'aide. Parce que nous sommes dans un monde qui est spirituel. Regarde ton voisin, dit voisin, on est dans un monde qui est spirituel. Arrêtez de vivre votre vie comme si le monde là, Abidjan là, c'est pour toujours. Acheke poisson, ignam manioc, toutes ces choses là, c'est bon. Mais frères et sœurs, au-delà de ça, il y a un vrai monde. D'où vous êtes sortis. Avant que tu ne naisses, tu appartenais à ce monde. Tu étais esprit. Quelque part dans ce monde, habitant de ce monde, et Dieu t'a donc projeté dans un corps humain. Donc tu es esprit. Dis, je suis esprit. Et je vais vous dire la vérité. Si l'église de Jésus ne grandit pas pour prendre sa place, il y a des exploits qu'elle va confesser, mais qu'elle ne pourra jamais accomplir de ses mains. Parce qu'en réalité, c'est lorsqu'un homme prend sa place et vit réellement la réalité des choses spirituelles que les lois naturelles sont suspendues le concernant. Quoi? Ça veut dire partout où tu seras, partout où tu iras, frères et sœurs, ce que tu vois avec tes yeux n'est pas dans sa forme initiale. Ce que tu vois avec tes yeux a des tentacules dans le spirituel. Qu'importe là où Dieu va te déposer cette année, frère, il va falloir shifter d'abord dans le spirituel pour influencer le naturel. Ne prends aucune décision sans prier. Ne fais rien sans aller d'abord dans ta dimension spirituelle. C'est essentiel de le comprendre. Sinon, frères et sœurs, la défaite sera au rendez-vous, à coup sûr. À coup sûr.